tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on a une nouvelle à vous annoncer. Ça fait deux fois que je dis aujourd'hui, mais c'est pas grave. On vous annonce maintenant à partir d'aujourd'hui, tout le mois de décembre, jusqu'au 1er janvier, il y aura deux vidéos par semaine. Donc le mercredi à 15h comme d'habitude et le dimanche à 15h. On a plus fait des recettes sucrées. Noël, pour moi, c'est un peu le mois du sucré où on bouffe un peu n'importe quoi, on devient un peu. Moi, je sais que ça vous fait énormément plaisir. Oui, ouais, on faisait beaucoup de pâtisseries. C'était dingue. Période de Noël. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que. Donc, là pour la première recette. Exactement, on va faire des sablés de Noël. Donc, j'ai trop. Voilà, une recette très très simple, hein, un peu genre pâte brisée, amande, que l'on étale au rouleau et après avec des formes. Ah ouais. On en a d'autres, je crois qu'on a des petits rennes, des petits. Voilà. Puis après, on les décore. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut les garder, on peut en faire plein. Puis les garder. Mettre dans des boîtes hermétiques, tout le mois, en manger. Ça se conserve très bien. Quand on veut, tout le mois de décembre. C'est parti. Il vous faudra de la. Poudre d'amande. Poudre d'amande, je ne retiens jamais. La poudre d'amande, je ne sais pas pourquoi. Du sucre glace, juste ici. Un œuf, qui est juste là. Du beurre en pommade un peu fondu. Des emporte-pièces, là on n'a que celui-là mais ils sont derrière les autres. Oui. Des petits vermisseaux si besoin ou pas. Et du glaçage, alors nous on a du icing qu'on a acheté en boutique, là on l'a pas, il est pas loin. Bref, c'est un petit tube en tout cas, vous allez le voir dans la vidéo. Et en gros on peut dessiner, c'est comme un crayon en fait, mais c'est de la nourriture. C'est parti. Pour commencer, comme pratiquement toujours, je sais pas si vous avez remarqué en pâtisserie, on mélange le beurre et le sucre. Alors le beurre mou, évidemment, toujours. Et le sucre. Et le sucre. Là, c'est du sucre glace pour cette recette. Une fois que c'est mélangé, bien évidemment, on met l'œuf. On met l'œuf. Donc là, on met l'œuf. Hop, voilà. Et on mélange. Et à ce niveau-là, on peut mettre la poudre d'amande. Excuse-moi. On me frappe. Pendant ces tournages, je suis maltraitée. Donc normalement, il faut que ça fasse une pâte, genre une boule que l'on peut filmer. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est absolument pas une boule. C'est pas possible. Donc là, soit vous rajoutez la poudre d'amande ou un peu de farine. Nous, on va rajouter un peu de farine. Ouais. Ok, donc c'est bon. On a notre pâte qui est donc prête. Donc on va étale-la. Donc étale-la, faut pas que ce soit trop fin, pas trop épais non plus. Super. Donc voilà, maintenant, écoute, il n'y a plus qu'à faire les formes. Alors, Alors, on a un petit sapin, on a des étoiles. On a une tête de cerf et un bonhomme de neige. J'adore le cerf. Voilà, alors, donc là, on a une plaque, voilà, où tu peux mettre c'est mon reine. Petit reine dessus. Oui. Moi, j'ai mis mon étoile. Hop, je fais mon petit sapin. Donc 5-10 minutes, 180. Ouais, à surveiller. À surveiller. Et voilà, on a sorti nos petits sablés du four. Ils sont trop mignons. Donc vous voyez, il ne faut pas qu'ils soient vraiment trop cuits. C'est très important parce que déjà, sinon, c'est dur comme du bois et c'est dégueulasse. Mais surtout parce que c'est plus beau. Je vais faire un sapin rose. Tu vas faire un sapin. Mais c'est bizarre, ça ne m'étonne absolument pas. J'ai pris de la crème au beurre. Voilà. Moi aussi, je vais mettre des boulettes. La. Je lui fais ses yeux, il est extrêmement laid, mais bon, il est très sympathique à l'œil. Et voilà, cette vidéo est terminée. Alors, on a fait des petites décorations, comme vous avez vu avant. On a fait un renne, j'ai essayé de lui mettre du blush, il est extrêmement laid. Je n'aurais jamais dû faire ça. Et puis après, on les mange. Hein. Ils sont très très bons. Vraiment trop. Ils sont bons, ce qu'il y a la pâte d'amande, c'est la pâte d'amande qui est. Non, franchement, ils sont grave bien. Trop bons. Ça vaut la peine. Hop. Toi, t'aimes bien ce qu'il y a dessus, les petites décorations. Ah ouais, mais rien. Bref, n'oubliez pas, ce dimanche, il y a une vidéo à 15h et tout le reste du mois. On espère vous voir au rendez-vous. Et bref, on vous embrasse. À bientôt. Bye. Ciao.